Nous y voilà, ça y est. Alors salut à tous, c'est Kishnifu. Et voici ma toute première vidéo in-game. Alors ça fait assez bizarre de se retrouver en fait à la place de l'acteur, plutôt que du simple spectateur. C'est vrai que étant habitué à regarder des vidéos du Hooper, donc comme vous le savez, puisque je l'ai expliqué dans ma toute première vidéo, et ben ça fait bizarre en fait, parce que bon, quand on regarde une vidéo, voilà, on se rend pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière. Et déjà rien que le fait d'avoir installé le matériel, je sentais déjà la pression monter. Enfin, je ne devrais pas, vous devriez me dire, mais quand même, comme c'est les premières fois, on a toujours un petit peu la pression. Alors, donc comme vous pouvez voir à l'écran, normalement c'est un jeu de PlayStation 1, donc comme je l'avais déjà dit. Et vous ne savez toujours pas lequel c'est. Normalement, il n'y a rien qui s'affiche, hein, qui peut vous le dire. Non. Bon, alors, concernant la configuration de la vidéo, donc moi je capture donc avec Instant DVD Recorder. Et en sélectionnant la qualité optimale, je peux filmer, enfin capturer pendant 113 minutes. Donc je pense que ça va être largement suffisant. Alors je vais pas m'éterniser non plus sur le menu, hein, sinon je pense que je serai accusé de copiage sur une personne dont je fais souvent allusion et dont vous voyez très bien de qui je veux parler. Je veux absolument pas copier en tout cas, hein. Ça c'est certain, c'est un truc que je veux absolument pas. Je m'inspire simplement. Il y a une différence entre copier et s'inspirer. Et pour ma part, voilà, je veux simplement m'inspirer, me proposer des vidéos originales, made in moi. Voilà. Donc si jamais vous voyez que je copie dans quoi que ce soit, dites-le moi, il faut m'alerter, hein. Parce que ce n'est pas du tout mon intention. Mais c'est vrai que quand on s'inspire de quelqu'un, ben forcément on a tendance à faire pareil, à dire les mêmes choses, à le dire de la même manière. Et du coup, j'ai pas du tout envie que ce soit ça qui m'arrive. Donc si jamais, parce que c'est vrai que quand on parle comme ça, on se rend pas forcément compte en fait de ce qu'on dit, ni de comment on le dit. Alors forcément, il y a certaines choses que je m'en rendrai pas compte et qu'il faudra bien que vous m'en fassiez part. Voilà. Bon, et ben je pense que c'est parti pour ce jeu de la PlayStation 1. Et attention, vous allez voir le fameux logo apparaître. Je ne dis rien, écoutez. Ah, c'est magnifique. Ça me rappelle de ces souvenirs incroyables. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, ce jeu, ça fait, je sais pas... j'ai pas la boîte à côté là, non, je l'ai rangée. Bah en fait, je voulais savoir en fait en quelle année il est sorti. Bah voilà, 97. 97, ah ouais, je pensais que c'était plus tard en fait. Parce que je me disais que ça faisait environ 10 ans que je n'y avais pas joué. En 97, donc j'avais 6 ans. Et oui, donc en fait, je crois que ça fait bien plus que ça alors. Ça fait bien plus de 10 ans que j'ai pas retouché à ce jeu. Donc voilà, j'ai envie de le découvrir avec vous. Alors. Oula, mince. Non, 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 non. Oh là là. Ça me l'a mis en anglais. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais pouvoir me... Ou alors j'irai voir dans les options, je pense que je pourrais changer. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, ouais, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps, mais non, en fait. Alors, c'est... Donc voilà, c'est un jeu que j'ai fait donc il y a plus de 10 ans. Alors, je me souviens plus du tout de cette intro, enfin j'ai quelques vagues souvenirs. Mais je vais pas vous laisser. Oui, voilà, je me souviens ce que je disais. Je disais que j'allais donc comme j'avais dit dans la première vidéo, ça allait pas être ça allait ni être une review ni être une un direct live, ce serait un peu des deux. Mais ce sera aussi un peu une sorte d'épopée. Donc je reprends les mêmes termes que ceux du Hooper parce que je pense que ceux qui parlent le mieux. Donc voilà, parce qu'en fait, je vais tenter de finir le jeu. Donc on va voir, j'ai 113 minutes. Donc on va voir ce que je vais pouvoir faire.
Bon, pendant ce temps-là, si je vais... Parce que je me souviens plus trop en fait de la durée de vie. Il me semble que c'est possible. Oh là là, ces graphismes. Ça me rappelle. Eh, c'était bien fait pour l'époque quand même. C'était pas mal. Ouais, donc je sais pas. Je pense que je vais pouvoir le finir, j'en suis pas sûr. Donc, je pense que je vais essayer de commencer le plus vite possible. Voilà, pour qu'on ait le temps et pour que vous ayez le temps d'en voir un maximum. Alors j'étais assez pressé en fait de faire cette vidéo parce que c'est ça fait tellement longtemps déjà cette musique là qu'on entend ça fait tellement longtemps que je l'avais pas entendu. Alors son d'annonce game setting apparemment on peut pas mettre en français mais de toute façon c'est pas grave. Mais comment on revient carré, d'accord, ok. Alors avant c'était triangle, ensuite c'est devenu rond, mais alors pour ce jeu c'est carré pour revenir. Bon, ok. Bon d'accord, sound, non. Bon, c'est pas grave, on va commencer le jeu de toute façon, pendant le jeu on en a pas besoin. Alors en fait c'est un jeu où on doit réaliser des missions en fait. On doit aller d'un point A à un point B, enfin d'après ce que je me souviens. Hein. Et dans un temps imparti bien sûr. Et voilà, c'est un peu ça pendant tout le jeu, mais on traverse des environnements bien différents, normalement, d'après ce que je me souviens. Et c'était parfois vraiment compliqué. Je sais que j'ai souvent galéré sur ce jeu, mais j'ai réussi à le finir. Bon allez, on va commencer. Alors, c'est pourquoi on choisit un circuit de départ? Je pensais que c'était déjà tout défini. Bon bah on va choisir le premier. C'était lequel? Bon. Bah on va prendre celui-ci, allez c'est parti. Alors la voiture je vais prendre celle-ci mais donc il y avait la... Il donne même pas de nom, 318. Mine, ouais voilà une mini, la 318. Donc moi je prenais souvent la première voiture. Hein. Alors ça c'est des voitures cachées à débloquer au fur et à mesure. Donc on va prendre la voiture officielle du jeu, hein, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est la voiture en fait qui apparaît sur la boîte. Allez c'est parti. Alors automatique, oui on va mettre automatique. Ah quel bon souvenir. Style de Jade Statue. Alors voilà. Donc là au départ, normalement si je me souviens bien, on commence, on a dévalisé la statue de Jade et on doit l'amener autre part. Item taken. Alors là, il va y avoir des carrés rouges en fait normalement sur la... Alors la maniabilité c'est quand... Ouh là là, oui. Je vais mettre... Ah mince, on peut pas mettre la manette. Ah mince. Ouais d'accord, donc je suis obligé de jouer avec les... Ah. Ah oui, on a des dégâts aussi tout en bas. Alors je suis obligé de jouer en fait avec les touches directionnelles. Oh là là là. Je suis obligé de jouer avec les touches directionnelles. Donc c'est à dire que je joue. Pff, je vois rien, comment on freine. Ouais, je dois pas jouer avec les analogues en fait. Alors c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez avoir l'impression que je sais pas jouer vu tous les zigzags que j'ai fait tout à l'heure là. Alors là, c'est quoi? Il est où le truc là? Voilà, donc là il y a un point rouge, voilà, faut que je tape ça. Donc, normalement vous voyez les points là sur la carte en bas à droite. Et donc je dois aller à chacun des points, si je me souviens, mais ça c'est... Ça fait super longtemps et je m'en souviens. Voilà, donc c'est tous des items en fait que je dois... Enfin je sais même pas ce que c'est, items, ouais. Mais en fait c'est ouais, tous des items que je dois ramasser avant de pouvoir continuer. Voilà, alors je me souviens aussi que je dois vraiment pas perdre de temps. Parce qu'après, je dois me taper un bon bout de chemin. Comment on recule? Ah. Bon, ok. Voilà, donc après, on doit se taper un bon bout de chemin. Et souvent, je me rappelle que ben, j'avais jamais bien eu le temps. Donc, ben, je vais essayer de me manier. Faire comme je peux. Oui, alors là, si je me souviens bien, si je prends par la droite... Ah. Je vais pouvoir passer par un centre en fait. Voilà. Non, c'est pas là.
C'est ici? Ah oui, c'était bien marrant ça. Bon là je perds du temps mais... Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Ouais là je trouvais ça bien marrant, bon ben pff, ça a carrément vieilli. Moi je trouvais que c'était vraiment bien fait à l'époque. Mais là c'est vrai que... Bon j'ai quand même déjà pas mal de... Enfin pas mal. Je sais qu'au niveau des dommages... des dommages plutôt. C'était assez chaud aussi. J'éclatais souvent ma voiture. Bon après je sais pas si c'était parce que j'étais encore petit, que j'étais pas très bon. Bon si j'avais réussi à le finir c'est que... Je pense que ça pouvait aller. Mais là on va voir ce que ça donne. Sachant que ça fait déjà un bon moment que j'ai pas touché. Alors c'est parti. Maintenant que j'ai tout récupéré, on va pouvoir passer. Parce qu'en fait voilà. Je me souviens, si on essaye d'abord d'aller ici, normalement. Oulala, voilà, et ben ça s'éclate pas. Pouah, je me souviens carrément de tout ça. C'est assez incroyable. Alors là voilà, il y a la police qui me poursuit. Donc voilà, en fait, si j'avais pas ramassé tous ces items qui étaient en fait apparemment des explosifs, eh ben j'aurais pas pu passer la porte. Ou alors, j'aurais pu la passer. Ah oui, c'est vrai, j'ai de l'essence à gauche. J'aurais pu passer à la station. Donc voilà, c'est en fait si j'avais... Oh là là, qu'est-ce que ça glisse. Oh, mais c'est incroyable, c'est... Oh là 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 là. Ouais, si j'avais pas ramassé les explosifs, j'aurais pas pu passer la porte. Enfin, j'aurais pu la passer, mais je me serais ramassé des dommages importants. Alors, au niveau de la maniabilité, c'est... Pourtant, je peux vous dire, j'achète encore des... Enfin, j'achète des jeux de voitures actuels. Je me débrouille convenablement. Et là, je peux vous dire que... Au niveau de la manière, vous devez croire que je suis complètement pourri, et puis c'est peut-être le cas. Hein. Mais à peine une petite pression à droite, et ça y est, on est parti en glisse. Ça y est, c'est parti. Ouais, ça fait carrément bizarre de revenir sur ce jeu, surtout que j'utilise pas les analogues, alors c'est encore plus compliqué pour gérer. Non, mais là, 50 secondes, mais je vais jamais y arriver. Ça va être impossible. Je crois que en fait, mon ambition de faire une épopée va tomber à l'eau. Je réessayerai, mais si je vois que je dois réessayer trop souvent, je laisse tomber. Hein. Parce que j'ai mon but, c'est pas de vous ennuyer. J'essaie de faire ce que je peux. Est-ce qu'on récupère du temps? Parce que là, il me semble que la fin n'est pas bien loin. Là, 19 secondes, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Il me semble que la fin elle est par là. Je sais que je vais sauter un. Oh là là, je vais sauter complètement un barrage de poussière. Ouais, mais c'était là la fin. C'était là, il me semble. Est-ce que je peux continuer quand même, hein? Zéro, ouais. Il me semble que c'était là la fin. Ouais, c'était là. Oh là 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 là. Et voilà. Time over. Et du coup, j'ai perdu, je pense. Ouais, bon bah je vais recommencer. Je pense que si je prends un peu plus... si je vais un peu plus vite... Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont remettre au début, je parie. Ouais, si je vois que la prochaine fois que je réessaye, j'y arrive pas, c'est pas grave, je laisse tomber. Hein. Alors, en fait, on peut sélectionner... Bon, je vais... Bah, comme ça au moins. Bon, bah si j'arrive pas à celle-ci, bah je passerai à une autre. Voilà, mais il me semble que si je réussis celle-ci, je passe directement à la prochaine. En tout cas, c'est comme ça que je me souviens, moi. Sinon, que dire du jeu? Pas grand-chose, parce que, bon, quand j'étais petit, je jouais simplement pour le fun, et je m'attardais pas vraiment sur les détails. Aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois ça... J'ai dit, au départ, j'étais assez confiant. Je me disais, bon, j'ai des assez bons souvenirs sur le jeu. Je pense que je vais être assez impressionné par les graphismes parce que, à comparer de l'époque, ce sera quand même bien fait. Mais du coup, enfin, ce qui me rebute le plus là, c'est la maniabilité. C'est vraiment là, à peine on tourne, ça glisse. Je pensais pas en fait que ça glisserait autant.
Donc c'est ça qui m'impressionne le plus en fait. Hein. Je pensais que ça allait être un peu plus agréable à jouer, mais pas tant que ça. Hein. Moi franchement, je vous recommande d'essayer ce jeu. Hein. Parce que c'est bien marrant. Voilà, bon, oh là là, qu'est-ce qu'elle se met devant moi? Bon, aussi je l'ai pas vu, hein, il faut dire. C'est bizarre aussi parce que la carte me paraît petite. Pourtant. Voilà, en fait, j'ai encore pas trouvé où freiner. C'est pour reculer, c'est rond, donc bah, je pense que ça doit être rond. Pour freiner. Oh là 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 là. J'ai perdu un peu trop de temps. Hein. Bon. Désolé si parfois je dis rien, je me concentre. J'ai pas le blabla de Hooper, hein, ni ses connaissances d'ailleurs, parce que lui il peut en rajouter sur tout ce qu'il connaît, mais alors moi, on peut pas dire que j'en connaisse autant que lui, donc je m'excuse par rapport à ça. Il va falloir faire avec. Et puis aussi je me concentre parce que c'est tellement une patinoire ce jeu. C'est quand même assez incroyable. Bon. Allez, 180 secondes. Bon, j'essaie de speeder à fond là. Je sais plus à combien j'en étais ici tout à l'heure. Bon, on va voir. On va voir. Eh hey, mais c'est stressant hein. Franchement je vous jure, je suis en plein stress là. Oh là là. Je passe à travers les arbres, bon ça va, moi ça me ralentit pas. En fait, j'entends des policiers, mais tout à l'heure je les ai pas vus. Est-ce que c'est parce que ben je les ai semés? Je sais pas, je sais plus. Et là, alors cette station essence, je me souviens un jour j'avais fait l'essai, je m'étais arrêté à la station essence, et apparemment eh ben, on pouvait récupérer de l'essence. Si on s'arrêtait, on voyait la barre de fuel rouge en fait que vous voyez à droite, à gauche je veux dire, qui se remplissait en fait. Donc c'était une... Oh non, c'était une petite fonctionnalité comme ça qui était assez originale pour l'époque. Et qui avait au moins le mérite d'exister. Putain, je maîtrise déjà peut-être... Oula, non, j'ai rien dit. J'allais dire, je maîtrise déjà un peu mieux qu'au début. Mais c'est vraiment des... Oh là là, mais comment vous voulez qu'on passe là? Allez, redémarre. C'est vraiment des tout petits à-coups qu'il faut mettre sur les touches directionnelles. Un peu comme on fait sur les analogues. Mais là, alors là, c'est complètement différent. C'est assez incroyable. Il me semble que j'en étais... Oh là là. Bon, attendez, je me concentre là parce que... Il me semble que j'étais à 40 secondes ici, hein, la dernière fois. Non, je sais plus. Pff, je stresse là, je vous jure, je suis en train de stresser comme un dingue. Faut que je me calme. C'est stressant. À l'époque, on devait être habitué à ça, mais. Alors là, je suis plus du tout habitué. Et ça fait bizarre, hein. Je peux vous dire que ça fait bizarre. Bon, y a pas mal de clipping. Alors ça, le clipping, c'est je l'ai aussi appris grâce aux vidéos de Perche. On apprend plein de choses hein, avec Hooper. Bon allez, là ça y est, j'ai réussi. Je les ai semés. Et il s'éclate contre les barils qui n'explosent pas, hein. Bien sûr. Oh ouais, Emmanuel. Alors j'ai vu vaguement en haut à droite le total amount. Donc apparemment les dégâts sont comptabilisés. Hein. Voilà, 323 $ 200 ou 323 200, je ne sais pas. Donc ça fait penser ça un petit peu à Burnout. J'ai jamais bien joué au Burnout, mais je sais que quand on faisait des crashs, eh bien ça les comptabilisait. D'ailleurs j'ai une petite anecdote avec ah ouais, donc d'accord, ah oui, donc complete, c'est marqué au dessus Downtown complete.
Voilà. Donc oui, je parlais de mon anecdote, donc qui était que en fait j'avais amené réparer une console, je sais plus laquelle c'était, un magasin de jeux vidéo donc qui s'appelait Tips Mania et qui était bon, je sais même pas si c'est connu d'ailleurs, mais il a fermé depuis parce que ça marchait pas assez. Et en fait, pour tester la console, il avait testé avec le jeu Burnout Paradise. Ah oui, la limousine, je dois la rattraper, il me semble. Donc, qui était Burnout Paradise. Et le truc, c'est que quand j'ai récupéré ma console, alors il me semble que c'était là. Ça devait être la PS3, il me semble. Ou alors, je suis en train de me bourrer, je sais plus. Bref. Et donc, quand je l'ai récupéré, eh ben, il avait laissé le jeu dedans. Donc, quand je l'ai découvert chez moi, je me suis dit, bah, voilà, je vais le ramener, quoi. Et donc, quand je l'ai ramené, il m'a dit, mais en fait, vous auriez pu le garder, que je m'en serais même pas rendu compte. Alors, voilà, j'ai été un peu trop. Quoi, Speed 54 Over? C'est quoi ça? Bref. Ouais, donc j'étais apparemment, j'aurais pu faire mon crevard et le garder pour moi. Ouf, ouais, j'aurais pu le garder pour moi. Mais du coup non, c'était mais j'ai même pas réfléchi, hein, j'ai pas fait ça pour j'ai pas fait ça pour paraître bien. Je veux dire, j'avais quel âge, je sais même pas quel âge j'avais. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Hein. Ouais, je sais même pas quel âge j'avais, mais je sais pas, moi ça s'est fait naturellement, je l'ai remis quoi. Voilà. Donc en fait j'aurais pu avoir Burnout Paradise gratuit. Mais bon. Ce jeu m'attirait pas plus que ça hein, d'ailleurs. Je me souviens j'avais téléchargé, il me semble, une démo de ce jeu. Mais ça m'avait. Oh là là, le slalom! Bon, je me suis loupé un peu sur la fin. C'est bizarre parce que je me rappelle carrément. Quand je repensais à ce jeu, je me souvenais particulièrement de ce passage-là. Donc qui était assez calamiteux, comme vous pouvez le voir. Mais il me semblait qu'il était beaucoup plus loin en fait dans le niveau. Voilà, clipping de fou, c'est incroyable. Alors le pont que vous voyez là derrière, je sais qu'il y a un moyen en fait d'y accéder. D'ailleurs, je sais même pas si on va y accéder. Ah si 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 si. En fait, il y a moyen d'y accéder. Et si on y arrive, il me semble, voilà, là c'est sur la gauche, mais je vais pas le faire. Parce que si on y arrive en fait à un moment précis, donc si on va assez vite, on peut accéder au pont, mais il n'est pas encore levé. Parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, c'est un pont-levis. Et il n'est pas encore levé. Et donc ça nous fait gagner quand même un temps assez considérable, d'après ce que je me souviens. Oh là, je me prends plein fouet celui-là. Oh là 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 là. Ça nous faisait gagner un temps assez considérable. Et je me souviens que je m'étais déjà risqué à le prendre, mais là, je me risque pas. Donc là, je vois un point rouge, il me semble que c'est la limousine. Alors, il me semble simplement que je la touche. Voilà. Item taken. Voilà, et maintenant, je crois qu'il faut que j'aille à la fin. Donc, que je retourne ce que je viens de récupérer à la fin. Donc, il me semble que c'est encore des explosifs, mais alors je suis pas sûr. Je vois mal pourquoi une limousine trimballerait des explosifs à bord, mais après je pense pas qu'il faille chercher la logique là-dedans. Donc on verra bien. Voilà, oui, je disais que. C'est quoi ça? Oui, je disais qu'en fait les niveaux je les pensais beaucoup plus grands. D'ailleurs le premier niveau tout à l'heure, j'ai eu l'impression de finir assez rapidement, hein, parce que je sais pas, il me semblait que c'était beaucoup plus long. Enfin d'ailleurs ça c'est l'une des caractéristiques. Une des caractéristiques en fait qu'on a souvent quand on est jeune, on croit que le jeu est plus long, ou quand on part en voyage, on croit que la route était beaucoup plus longue que ce qu'on croyait, mais là il y a carrément un barrage, j'espère pas qu'il peut m'arrêter. Bon, je vais accélérer. Hein. Là, je disais ça nous paraît toujours plus long, mais quand on y est, enfin quand on grandit plutôt, il me semble que c'est la fin là. J'aurais réussi. Ouais, c'est la fin. Oh là 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 là. Bon. Ben ça va, je suis assez content. Ouais, quand on grandit, ça nous paraît tout de suite beaucoup plus court.
Voilà. Complete. Bon, bah ça va. Je peux pas dire que je me débrouille comme une quiche. Je suis assez content. Je passe les niveaux. Donc on en est à combien là? 25 minutes. Pas mal, pas mal. Je pense que je peux encore espérer finir le jeu. Si je le finis, ce serait parfait. Comme ça au moins, j'aurais fait ce que je pensais. Voilà. Bon, alors, je m'étais pas mal au niveau du montage en fait pour la première vidéo que j'avais capturé avec Camtasia Studio directement sur mon ordinateur. Donc je m'en étais, j'ai eu pas mal de mal en fait. Alors je sais pas si c'était à cause de la qualité de la vidéo qui était, je sais pas, trop lourde, parce que ça me mettait énormément de temps à télécharger, enfin à être encodé. Tandis que quand j'avais fait les premiers essais, ah ouais, la ville là, dans la nuit, qu'est-ce que je m'en souviens? Alors, je crois que c'est un gros gros labyrinthe, enfin, je me souviens plus, je crois qu'il y a encore des trucs à récupérer. Bon bref, j'ai arrêté de me couper, sinon je vais plus me rappeler. Oui, donc je sais pas si, parce que les premiers essais que j'avais fait en capturant, bah, ça s'était plutôt bien passé. Alors j'espère que ce sera toujours le cas ici pour cette vidéo. Alors si jamais, si putain, je jouais avec les analogues, je me demandais pourquoi ça tournait pas. Alors si jamais je vois que c'est trop lourd, eh bien je couperai la vidéo en deux parties. Parce que voilà, après je pense que pour encoder après ce sera pas un problème, mais ça risque d'être un problème après pour poster la vidéo en fait sur internet. Donc si jamais je vois que ben c'est trop lourd, ça met beaucoup trop de temps ou quoi que ce soit, eh bien je couperai la vidéo en deux. Alors je fais mes montages avec Photoshop, avec Premiere Pro. Là il me semble que ouais, ah là là, il me semble que j'avais passé en bas. C'est pas grave, je vais passer ici, je crois que voilà, je peux passer. Alors oui, je fais mes montages avec Premiere Pro. Donc si quelqu'un s'y connaît qui pourrait m'indiquer en fait bah comment faire des montages qui prennent pas trop de temps en fait pour encoder, bah ce serait pas mal. Voilà. Oh non, j'avais complètement oublié ça. Ah, c'est incroyable parce que je me souviens carrément de ce niveau. Enfin, pas dans ses moindres détails, puisque comme vous pouvez le voir, je galère pas mal pour trouver mon chemin. Mais c'est exactement comme dans mes souvenirs. C'est impressionnant. Alors là, j'aurais dû passer en bas, il me semble. Non, 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 je peux continuer ici. Je vois sur la carte, là, là, voilà. Avant que je sois bloqué. Ouais, c'est exactement comme dans mes souvenirs. Je m'en rappelle carrément bien. Bon, alors là, je pense que j'ai dépassé plusieurs. Je sais qu'il y a un moment. Il y a un moment où j'arrive et je me dis, ah, là c'est bon. Dernière ligne droite. Je me souviens d'ailleurs, j'ai l'image dans ma tête encore. Quoique, je me souviens aussi d'un endroit. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est cette image que j'avais dans la tête. Où on quitte la ville et on prend un sentier. Voilà, à sens unique. Il n'y a plus de bifurcation. Bon, par contre, il y a plein de virages et comme je vous l'ai dit, la maniabilité est assez. Ah voilà. Déjà, je vois sur la carte, là, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je sais pas s'il y a encore des trucs à récupérer. Alors là, ça va être le bordel pas possible. Alors là, on passe ici. Ensuite, on passe là. C'est que c'est pas simple. Hein. Voilà. Ah oui, il y a un truc à récupérer là-bas, ça clignote. J'espère que je prends le bon chemin. Et mince. J'espère que je prends le bon chemin pour être le plus tôt possible vers l'item. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Comme ça, là, je continue un peu sur la gauche. Hop, ensuite après, je bifurque sur la droite. Hop. Voilà, là, je passe à droite. Je bifurque tout de suite à gauche et normalement l'item est par là. Voilà, il est là. Oh, parfait. Donc encore une statue apparemment. On est des voleurs de statues. C'est quoi ça, c'est les flics? Non, non. Ouais, apparemment on est des voleurs de statues.
Alors je me souviens que ce niveau, je l'avais fait énormément de fois. Mais là, je me rends compte. Alors, des fois, je lâche le volant en fait parce qu'il y a mon ordi qui s'éteint en fait, qui essaie de se mettre en veille. Et donc, je suis obligé de retoucher la souris pour que ça se remette correctement. Ça, il faudra que je reconfigure ça parce que c'est assez embêtant. Qui s'éteigne à chaque fois. Mais je sais plus ce que j'ai. Si, oh là, mince, non. Ah, si, c'est un raccourci. Il me semble que j'ai juste à aller ici et c'est bon. Voilà. Ouais, il me semblait l'avoir fait énormément de fois ce niveau, mais là, sachant qu'il me reste 115 secondes, que j'ai plus trop de souvenirs sur la suite, il me semble. Oula, il y a de l'eau là. Comme vous pouvez le voir, l'eau est super bien faite. Ouais, j'ai plus trop de souvenirs sur le reste du niveau, donc il me semble que c'est fini. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Je vais aller au bout. J'ai encore le temps. Alors, je me souviens plus de rien. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, je dois aller là, je crois. Je dois récupérer des trucs, je crois, non? Oh là là, je me souviens plus. Alors là, je passais. Ah oui! C'est ça qui me prenait du temps à chaque fois. C'est qu'on doit passer entre ces poteaux et c'est. Non, c'est pas là qu'il faut aller. Ah non, il faut passer là sur le côté, je crois. Ou là, il faut passer dedans. Ah voilà. Oh là 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 là, ce bordel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'avance plus? Oh, je me souviens plus de rien. Alors, moi qui pensais que j'avais le temps. Là voilà, là il y a un chemin, je crois. Oui. Là, je mettais du temps à passer ça. Allez, j'espère que c'est bientôt fini là. Oui, je me souviens. Ben, voilà, parfait. Oh là là. Ah, il faut que j'aille là au bout. Ouais, c'est chaud en plus là, les dommages, j'en ai pas mal. Ouh, putain. Oh. C'était la fin. Moitié de gasoil. Plus de la moitié des dommages. 24 secondes. Je tremble de tous mes membres. Là, jusqu'au bout des pieds, je sens. Oh, mais ça me met dans ces états. Oh là. Et donc, apparemment, on est des voleurs. Des voleurs de statues. Enfin, j'ai pas lu l'histoire. Je m'en souviens plus du tout. Ah, une cinématique. J'ai fini le jeu. Non. Ah oui, là je me souviens, il va se passer quelque chose de bizarre, ça va être assez moche. C'est pas mal hein, pour l'époque. Premier jeu de la PS1. Enfin, je me souviens que je l'avais pris au début de la. C'était mon tout premier jeu PlayStation 1. Mais ça c'est moi, non? J'avais les statues, ça a ouvert un coffre. Et là je subis une vieillesse rapide. Et je crève. Ah non, ça c'est moi. Enfin, je sais pas. Il me semble que c'est moi ça. Ouais, ça c'est moi. Mais j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Apparemment, j'aurais fini le jeu. Voilà, avec la statue derrière. Donc si je devais interpréter ça, je dirais que il y avait d'autres voleurs apparemment. Donc on voulait des statues. Apparemment il fallait les statues pour ouvrir un coffre. Et ce coffre apparemment était maudit. Et apparemment nous, en tant que héros, on a laissé faire l'autre bandit. Il s'est fait avoir. Et nous, comme on a vu avec un petit sourire en coin là, on a échappé à la malédiction. Et on est reparti avec une statue, je sais pas, qu'on pourra vendre certainement et faire plein de fric avec. Ben voilà, moi c'est comme ça que j'interprète. Après, peut-être que je dis des grosses conneries. C'est tout au niveau écrit? Ah, non. Ouais, c'est. Peut-être que je dis des grosses conneries et que vous connaissez l'histoire originale. Et ben, je vous invite à m'en faire part si c'est le cas. Bon, bah, du coup, en fait, on a fini beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Je croyais que j'allais devoir partager cette vidéo en deux, enfin ce qui sera peut-être le cas, je sais pas, peut-être 35 minutes,
Oh non, je pense que ce sera bon. Ouais, je pensais que j'allais y passer énormément de temps. Ouais, que j'allais dépasser au moins l'heure. Je me souvenais plus qu'il y avait que trois niveaux. Et même en fait. Et même le fait qu'il y ait que trois niveaux, je pensais que j'allais devoir les refaire. Bon, j'ai refait le premier, mais à part ça, je suis plutôt bien débrouillé. Je vous assure que j'ai pas retouché au jeu. Là, ben, bon. Bah, c'est peut-être mon skill qui est resté, en fait, de quand j'étais encore enfant. Voilà. Bon, j'avoue que j'avais encore pas mal de souvenirs. Et ça m'a certainement aidé. Ah, bah voilà. Là, vous avez une image du pont-levis. Voilà, donc si je l'avais pris, voilà ce qui se serait passé. Voilà. Bonne petite musique là, qui radoucit un petit peu là, parce que je souffle là, j'ai stressé comme un œil. En fait, j'ai stressé parce que autant je voulais pas faire mon boulet, je voulais pas jouer comme une merde à devoir recommencer. Ouais, donc ça m'a foutu un peu la pression, ça. Et en même temps, parce que c'était une vraie patinoire, le truc. Et du coup, à peine une petite pression, la voiture partait en couille complètement. Donc c'était pas facile à gérer. C'était assez stressant. Ouais, je me souviens, je prenais des fois la mini. Je prenais aussi le scooter. Donc on voyait le gars carrément. Donc je sais plus si j'étais bien fait. Je pense que non. On va peut-être le voir d'ailleurs dans les images. Alors là, en ce moment, je suis en train d'hésiter si, vu que j'ai du temps, je suis en train d'hésiter si je vous montre par exemple d'autres véhicules, ou si par exemple je refais le niveau en essayant de passer le pont-levis, par exemple, juste pour s'amuser. Mais comme j'ai encore jamais uploadé de vidéo, ben je me dis que j'ai peut-être envie d'abord de faire un essai avec celle-ci, voir si tout se passe bien. Et si jamais je vois que, ben, oh, j'aurais pu faire durer la vidéo plus longtemps, et bien dans ce cas, je me rattraperai sur les prochains jeux que je ferai. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Et si jamais vous avez vraiment envie qu'un jour je vous refasse ce jeu en vous montrant peut-être un peu plus en détail, je sais pas, que je me tape tous les véhicules, que j'aille fouiner peut-être un peu plus dans les niveaux, que je passe par d'autres chemins, parce que oui, il me semble qu'il y avait d'autres chemins parfois à emprunter que j'ai vu, je me souviens. Notamment dans le niveau du pont-levis. Je sais que là, j'avais vu d'autres chemins, mais je voulais suivre ma propre voie. Et ben, je pourrais le faire. Ce sera à la demande générale. Voilà. Bon, sinon, premier avis sur cette première vidéo. Ben, je suis assez content parce que je pensais que j'allais avoir des gros blancs parfois, ou que j'allais pas savoir quoi dire, que j'allais bafouiller et tout. Mais en fait, ça va. Apparemment, le jeu nous aide à nous transporter, à transporter nos paroles. Et c'est assez agréable, en fait. Parce que, aussi, comme c'est un jeu qui me procure plein de nostalgie, eh ben, j'ai de quoi dire, en fait. Je pense que si ça serait simplement un jeu que je redécouvre, ou un jeu que j'ai déjà découvert et que je parle juste pour dire ses qualités, ses défauts, bah, je pense pas que j'aurais été aussi inspiré, en fait. Voilà. Mais sinon, je trouve ça agréable. Ouais, je trouve ça agréable de faire des vidéos, de parler comme ça. J'ai vraiment l'impression, en fait, de m'adresser à quelqu'un. Enfin, j'ai que cette impression pour le moment, vu que j'ai encore aucun visiteur. Au moment même où je fais cette vidéo, j'ai encore posté aucune vidéo sur mon site internet. Je connais encore rien de vos avis. Voilà. Pour le moment, c'est totalement dans l'inconnu. On peut dire que je suis en train de me faire mon petit stock. Je pense que je vais faire 3-4 vidéos assez différentes, et seulement après je les posterai sur internet et je vous en ferai part. Voilà, au moins histoire d'avoir une petite panoplie de vidéos, voilà, pour assurer mes arrières. Voilà, le générique est terminé. Je pense qu'on va remballer. Voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. J'espère qu'elle sera le prélude d'une longue série. En tout cas,
tout cas, j'aimerais bien, moi. Je pense à plein de jeux que je pourrais faire. Alors, pour le moment, je pense que je ferais surtout des vidéos un peu comme ça, c'est-à-dire des vidéos de jeux qui me rappellent beaucoup de choses. Donc j'ai déjà des idées en tête. Je vais pas vous les dire, sinon ça gâcherait la surprise. Mais je pense également faire des jeux récents. Alors, ce que j'avais pensé aussi, c'était, bah, par exemple, j'achète pas souvent des nouveaux jeux, parce que mine de rien, ça coûte assez cher et j'ai pas beaucoup le temps, notamment à cause de mes études, tout ça. Oui, qu'est-ce que je dis? Oui, alors, si, quand j'achèterai des nouveaux jeux, je pense que je filmerai pour montrer un petit peu, bah, quand on ouvre le fameux plastique, il y a toujours cette fierté, enfin, je sais pas, moi en tout cas, je l'ai toujours ressenti, cette sorte de fierté en fait quand on ouvre le jeu et qu'on le met pour la première fois dans la console. Donc j'ai une caméra que je pourrais mettre à disposition pour filmer. Enfin, je dis ça, mais je sais même pas si je vais le faire, hein. Je sais même pas si je vais le faire pour le moment, hein. Voilà. Donc quand j'achèterai des jeux récents et que je pense que je voudrais capturer, eh bien je le ferai. Je ferai une sorte d'unboxing. Voilà. Et ensuite, je le mettrai dans la console et je ferai une sorte de direct live où je découvrirai en même temps vous le début du jeu. Voilà, donc je ferai pas tout le jeu avec vous non plus. Parce que moi, c'est vrai que quand je commence des nouveaux jeux, je vais assez lentement, je prends mon temps de tout découvrir. Bon, bah, si vous pensez que ça vous dérange pas, je peux très bien le faire. Moi, je verrai, de toute façon. Je pense que ça sera en fonction du jeu. Alors lui, enfin, apparemment, là, dans le trailer, il joue déjà beaucoup mieux que moi, hein. Il se paye pas tout. Voilà. Donc je verrai bien. J'ai pas encore tout planifié, mais ça se fera au fur et à mesure. Bon, eh bien je pense que je vais vous laisser là. Et puis bah je pense que j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Et continuez bien à vous épanouir dans le monde des jeux vidéo. Allez, salut!